Christian Chen, je pratique le waterpolo depuis 1996 au sein de La Roche-sur-Yon Natation. On dispute le championnat régional, donc on a déjà joué à des niveaux supérieurs, National 3A, National 3B. Bon, cette année, on joue au niveau régional. C'est un championnat qui est composé de 9 équipes sur la région Pays de la Loire. En fait, c'était plutôt la lassitude de la natation, puisque en fait, un petit peu marre de faire des longueurs, voilà. Et puis, naturellement, de migrer vers le water polo, déjà beaucoup plus ludique. Et puis aussi cette notion de collectif, à comparer par rapport à la natation qui est plus individuelle. Et donc là, la notion de groupe, d'équipe. C'est un sport qui se rapproche du handball, en fait, avec quelques similitudes, notamment la zone qu'on peut connaître au hand. On a également une zone qu'on appelle les 2 mètres au water polo. 7 joueurs dans l'eau, donc 6 joueurs de champ et un gardien. Et donc on peut faire des remplacements quand on le souhaite, donc généralement après un but, mais sinon aussi pendant des phases de jeu, la personne vient derrière le but et on procède au remplacement. Il y a quelques contacts. Ce qui peut être gênant des fois, c'est qu'il y a aussi des contacts sous l'eau, donc des choses qui ne sont pas toujours visibles par l'arbitre. Donc faut savoir pas se laisser faire non plus. Après, en fait, tant que la personne, le joueur a le ballon, on peut aller le charger et monter sur lui et essayer de récupérer la balle. À partir du moment où il lâche la balle, là, il y a faute. C'est ce qui motive à s'entraîner, à travailler des tactiques, des stratégies. Et donc, c'est vraiment le week-end l'aboutissement de ce qu'on peut travailler à l'entraînement. Là, cette année, on a vraiment un esprit fort d'équipe. C'est-à-dire qu'on a quelques individualités, mais vraiment, tout le monde est capable de marquer, tout le monde est capable d'amener sa pierre à l'édifice. Au contraire de certaines équipes contre qui on a pu jouer, qui sont vraiment dans un jeu stéréotypé, on lance la balle devant et puis les joueurs se débrouillent. Là, on a vraiment, on essaie de travailler les enchaînements et je peux dire que tout le monde est à peu près dangereux dans l'équipe. Première base quand même pour les gens qui veulent jouer au waterpolo, c'est déjà de savoir bien nager. Parce que en fait, on est tout le temps en déplacement, donc c'est vraiment la première chose, d'avoir déjà un bon fond de nage, d'être endurant. Et puis ensuite, petit à petit, on apprend le maniement du ballon. Et donc le maniement, le contrôle du ballon, les passes. Puis après, on arrive pour les shoots, les tirs. Après, le mental, je dirais... Il y a toute l'équipe, c'est pas un sport individuel, donc toute l'équipe, la cohésion de l'équipe fait que on est porté aussi par l'équipe. Donc le mental est important, c'est les équipes qui ont la niaque, mais il y a aussi mon rôle aussi en tant que capitaine de booster tout le monde pour quand on est mené ou autre, de cravacher pour recoller au score et essayer de passer devant. Donc il y a un bonnet, voilà, avec deux coquilles au niveau des oreilles. Donc en fait, c'est pas pour mieux entendre par rapport à ça, c'est pour protéger en fait si on recevait un coup dans l'oreille avec l'eau, ça fragilise les tympans, donc c'est pour éviter ces coups-là. Le port de deux maillots de bain, puisque si on s'en fait arracher un, il en reste toujours un pour éviter de sortir tout nu, voilà. Généralement, on a un poste particulier. Après, suivant le jeu ou autre, comme c'est un jeu avec pas mal de déplacements, on peut se retrouver à des postes différents de celui où on est au départ. Pour ma part, je suis arrière gauche, mais je peux très bien me retrouver tout d'un coup à être en attaque sur un contre. C'est pas comme le football où on a défenseurs, les attaquants, et on retrouve moins les défenseurs devant.
là on peut sur des phases d'attaque se retrouver devant. On nage tout en crawl water polo, donc quand la balle est devant nous, ou en dos water polo, c'est-à-dire si on part en contre mais que la balle est dans notre camp, comme ça on peut voir le ballon arriver par soit le goal directement, soit par les autres joueurs de l'équipe. Donc on travaille, c'est ce qu'on appelle le rétropédalage, et donc on travaille justement ses appuis et donc à rester en statique, mais aussi à sortir aussi de l'eau pour quand on fait des passes justement à récupérer, pouvoir récupérer plus facilement le ballon. On commence par une partie échauffement, donc en gros 1 km, 1,5 km de natation avec un peu toutes les nages, pas mal de crawl water polo justement pour bien s'échauffer. Puis après on a plutôt une partie où on travaille les passes, de la passe à 10, donc le but c'est de se faire comme dans les autres sports le plus de passes possible sans se la faire récupérer. Et puis après on travaille donc soit des enchaînements tactiques, soit directement on met en place des phases de jeu. C'est un sport fatigant. Quand on a fait 1h30 d'entraînement, on est content que ça s'arrête, et même pendant les matchs. Alors les matchs, la particularité, c'est que comme on peut alterner les remplacements, en fait, on peut, si on a un coup de moins bien ou qu'on est fatigué, on peut plus facilement sortir et puis se faire remplacer par un autre joueur. Mon meilleur souvenir, ça reste un match à Blois. Donc on était en National 3B, je pense. On a eu quelques exclusions et donc on a terminé le match à 6 contre 7. Il y avait 9-7 à 3-4 minutes de la fin et on a gagné le match 11-9. Et c'était vraiment un exploit sur le moment. Donc ça reste vraiment un très bon souvenir.